Eh bien salut à tous, c'est Schizofaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Resident Evil. Vous y attendez pas celle-là, c'était ma petite surprise. Donc on est reparti bien sûr dans l'entraille des enfers. Hein, donc on a suivi un chemin qui nous a ramené dans cette pièce. Donc on n'est pas loin de la caravane, donc c'est cool. Donc comme je vous disais, ça je suppose qu'il faut, voilà, les pièces antiques. Ah ouais, il en faut quelques-uns. Pour dire de débloquer, d'accord, ok. Ok, donc là c'est quoi? Stéroïde, augmente votre maximum de vie de façon permanente. Alors je vais toujours en prendre, hein. je vais chercher à avoir le maximum de vie tout le temps. On va prendre toutes les pièces qu'on a et on va essayer de les dépenser intelligemment. Donc les stéroïdes, je pense que c'était la meilleure façon. Ah. Voilà, ça c'est cool. Allez, donne-moi les stéroïdes, nickel. Hop. On utilise... Chling. Ah, ça me fait mal pour lui. En plus, je suis à moitié malade. Je vous jure que ça fait mal pour lui. Votre vie est augmentée. Donc là, c'est quoi? Stabilisateur. Augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Bon, je trouve pas que c'est très très utile. Et là, on a 9 pour un flingue. 44 mag. Beaucoup de recul. Beaucoup de puissance. Ouais, 9 quand même, hein. 9, c'est même pas ce qu'on a. C'est... Ouais, on en a pas 9, quoi. Limite, je préférerais aller chercher les 5 là, quoi. Stabilisateur, je sais pas ce qu'il donne. Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Ouais, limite, des fois, c'est plus utile. Ouais, je vais aller chercher ça. 1, 2, 3, 4... Et 5. Du coup, on l'a déverrouillé, c'est nickel. On prend le stabilisateur. Donc, parce que là, 9 pièces antiques, ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait énorme même. Voilà, donc là, il va s'injecter le produit. Ok, donc ça l'a fait plus rapide. Donc, tant qu'on y est, on a 3 soins. Donc, on peut rester avec ces 3 soins. Ça, c'est nos problèmes. On a du combustible. On a toujours notre clé corbeau. On a un crochet. Est-ce que ça vaut le coup de prendre autre chose? D'après vous. Alors, la manivelle, j'hésite. On est retourné dehors. Peut-être que la manivelle va être utile. Donc, je vais la prendre au cas où. Mais bon, je suis pas sûr. Allez, hop. On ressort de là. On retourne là où on était, bien sûr. Donc l'autre était censé nous rejoindre à la caravane, mais vu qu'on a un peu coupé... Oula. Ah non, j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait un screen qui allait se mettre. Donc en fait, on avait atterri ici. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait atterri ici, mais ici, en fait, on est arrivé par le puits. Du coup, on revient dans l'histoire. On en était là. Que... Là, il y a quoi? Photo du trésor. Ok, avec un cendrier. Ok, un cendrier avec des chiottes. Ok, bon, on va essayer de voir ce que c'est. On va passer là, mais là, j'aurais dû aller voir en haut, je pense. C'est verrouillé de l'autre côté. Donc, de toute façon, je pourrais pas passer. Voilà. On va rester aller en haut. Faut bien faire gaffe aux pièces antiques. Hein. Falloir qu'on aille les chercher coûte que coûte. Donc, on est toujours à la recherche de Mia. Hein. Mia qu'on a croisé et on lui a demandé explication, mais qui s'est fait attraper par le frangin. Ok, bah on va pas descendre tout de suite. Le groupe heureux. Non, mais de toute façon, on aura pas le choix d'y descendre. Ne vous inquiétez pas, c'est juste je vais faire un tour. Alors, on va crocheter. On va crocheter ce petit truc. Je sais pas ce que ça va nous donner, mais. Grenade incendiaire. Wow. Alors là, ça rigole plus. On a de la grenade incendiaire. Agent de séparation. Oh là, on a des nouveaux trucs. Combustible solide. Ouh, de l'herbe. Et on a plus de place. Ça, c'est fait. Alors, je vois pas ce qu'on peut faire avec les combinaisons de combustible bleu. Avec les séparateurs, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors là, je suis étonné. Je suis étonné. Donc, on est déjà blindé. Hein. On est déjà blindé en inventaire. Donc, je pense qu'il va falloir revenir avant. On va reposer ça. Le combustible... normalement, on est censé le synchroniser avec je sais plus quoi pour pouvoir le mettre. Que fait des grenades incendiaires? Ouais, non, il y a quand même assez. On va... Donc, pour les objectifs, vous voyez, ouvrez la porte à l'étage, vaincre
Marguerite et prendre sa lanterne. Trouver les ingrédients du sérum. Trouver le bras dans la vieille maison. Premier. Ok. En plus, il faut qu'on arrive à vaincre Marguerite. Donc là, on va reposer un peu tout ce qu'il y a dans l'inventaire. Donc on a suivi Marguerite jusqu'à là, hein, je vous rappelle. Donc au pire, je ferai une petite ellipse, histoire de dire que ce soit pas trop long. On va blader pas pendant 20 ans et on se retrouve tout de suite. Ok, nous voilà dans la maison. Donc on remonte, hein, bien sûr. J'ai été vider l'inventaire. Donc on remonte. Donc là, on avait trouvé plein de trucs. Donc deux herbes. Hop, ça c'est nickel. Alors on va fouiller, voir si on a rien oublié, s'il n'y a pas un petit truc qui serait intéressant. Parce qu'on n'a pas les psychos machin pour dire qu'on voyait tout bien. Donc là apparemment on n'a rien zappé, on n'a rien zappé, ok. Ok, on a deux herbes mais on n'a pas de fluide chimique, donc c'est dommage. Donc là on va aller un peu à la morgue. Donc je vais prendre le pompe parce que ça a entendu un bruit bizarre. Et on saute. Ok. Y a rien. Là ça fait un bruit suspect. Donc il y a vraiment que dalle en plus. Je croyais qu'il y aurait quelque chose d'intéressant mais même pas. On entend juste du bruit derrière cette porte. Ok, cette porte je peux pas l'ouvrir. Il y a des bruits partout, c'est des bruits chelous ça. Oh là là. C'est glauque, hein. Si je parle pas, c'est que je suis en total PLS, les amis. La grille bloquée, bloque l'accès. Une grille. Une quoi? Une grille bloque l'accès. Je sais pas si on peut pas faire cramer ça. Non, on peut pas faire cramer. J'aurais tenté, hein. Désolé, les amis. Hein. Je crame des ressources à rien. Ok, on sait qu'on va se battre de toute façon par la mer, avec la mer, donc c'est pas non plus dramatique. Cartouche de fusil. Ok, il n'y a rien de spécial dedans. Ok, on avance dans la maison. Bah là, ça fait flipper cette baraque. Elle fait flipper. On va passer à gauche, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose. Ah, voilà. Des psychostomatiques à la con, là. C'est cool, on va pouvoir en utiliser. Ok, donc on avait rien oublié à gauche. Ah si, on a oublié un truc à gauche. À droite, pardon. On a oublié quoi? C'était derrière. D'accord, c'était derrière qu'on a oublié quelque chose. Ok, donc on avance. On va essayer de rusher un peu, histoire de dire qu'on oublie rien. Apparemment, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Là, il faut cramer. Ok, c'est bon, on a cramé. Cartouche, du fluide. Alors, je trouve que les fluides, fluides rouges, on en a beaucoup. Là, on va cramer pour avoir la porte de dispo. Comme ça, on pourra retourner rapide de l'autre côté. Donc là, ça a brûlé. On va aller voir cette porte-là. Si vous voyez de l'autre côté, ok, on n'ira pas voir cette porte-là. On va monter. Ah! Oh, ta mère! C'est la maman! Oh là là, les vénères. What the fuck. On va faire gaffe où on met les pierres. Oh là là, regardez. Oh là là, je l'entendais. Oh là là. Eh, c'est pas... Eh, c'est pas une maman, ça. Arrête. Arrête! Regarde! Oh là là! Cramez-lui la chatte! Pardon, les amis! What the fuck? Je comprends pourquoi le papa il est devenu agressif. Moi je bouge pas de là. Tant qu'elle est pas morte, je bouge pas de là. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis sûr qu'elle va nous faire un coup de saloperie. Ok, on a du combustible, de l'herbe. C'est nickel. Ok, toi, pousse-toi. Wow.
Eh, c'est une malade cette mama. La pauvre Evie va avoir le cœur brisé. Oh là là. Calme-toi, calme-toi. Oh là là. Ne pars pas, mon cher. Oh là là. Oh là là. Oh. Ta mère. Elle est en paix, elle est juste monstrueuse quoi. Oh là là, elle fait quoi? Wouah. Elle est en mode vénère, je crois. Oh là, hey, tu te calmes, tu viens pas vers moi, dégage. Oh là là, elle m'a sauté dessus. Oh là là. C'est quoi ce truc? En plus, on a plus beaucoup de combustible. Eh, je crois qu'elle a bugué en plus. Ok, elle est en mode je suis pas bien. La maman, elle est malade. Hein. Quand le médecin il disait qu'il y avait un problème, on a trouvé du combustible. C'est cool. Ouah! Elle veut pas brûler. Brûle. Oh là là. Ah, c'est chaud. Oh là là. Ah, là, je crois qu'il va falloir un soin. C'est chaud. Alors, je suis passé, je sais pas trop où. Depuis tout à l'heure, j'esquive cet endroit pour pas y aller. Oh là là, la musique et tout, je vous jure. Ça met en PLS cette histoire. On regarde si on trouve rien d'intéressant. Combustible. Munitions de pistolet. Ok. Waouh, on sait qu'elle est là-bas. Hein. On sait qu'elle est là-bas. Donc là pour l'instant on est en mode. On est en mode tranquille. Elle nous fera pas trop chier sur le coup. J'aurais voulu finir de faire le tour de cette pièce. Qu'elle est plus là, là. Ne regarde pas en l'air. Oh là 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 là. Allez, brûle. C'est un truc de sauvage. Eh, c'est un truc de malade ce jeu. Oh, je suis tombé. Non, tout ce que je voulais pas faire. Ok. Ah bah, je suis avec elle. Comme ça, je suis pas dans la merde. Brûle, brûle, Babylone brûle. On se casse d'ici. Ah. Ah, putain de manette. Non, c'est pas le moment. Ouh. On se casse. Ah, on était en bas déjà. On était déjà là tout à l'heure. Putain, on l'a fait de cette pièce. Oh là là, elle peut être n'importe où. On est en stress, elle peut être n'importe où quoi, je vous jure, elle peut être n'importe où. Regardez, elle est en bas, vous l'avez vu passer? À gauche là. Ne regarde pas en l'air. Oh là. Oh là là. Vas-y, lâche-moi. Oh, on va la cramer une bonne fois pour toutes, parce que là c'est bien merdant. Je peux monter? Merci. Et... j'ai pas eu le temps. Oh là 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 là. Tu vas mourir. Attends, c'est toi qui voudrais. Je voudrais que tu brûles. Allez, brûle là, ça suffit là. Oh, je vais passer une demi-heure à essayer de la cramer. Commence à avoir chaud là, mamie. Oh putain. La tombe révélera la vérité.
Ouais, j'arrive à me faire mal juste en machinant comme ça, quoi. Eh, ça craint. Ça craint du boudin. Je suis à court d'idées, moi. Elle me court après, c'est tout ce que je fais. Voilà. Ouais, elle a cramé. Oh. Reste morte cette fois, ok? Oh. On vient de passer 10 minutes à se faire courir après cette chose de ouf. On a récupéré la lanterne. On va pouvoir fouiller les lieux gentiment maintenant. Alors là, si c'était pas du sport, les amis, je sais pas ce que c'était. Hein. On est au calme. Putain que ça fait du bien. Oh, c'est dur de redescendre d'une bataille comme ça. Hein. Du coup, je sais même plus ce qu'il faut fouiller, je sais même plus ce qu'il faut faire. On a tellement tourné dans la maison que je sais plus où on en est. Pire, c'est qu'il y a encore du bruit. Un truc de ouf, c'est qu'il y a encore du bruit. Donc on va continuer à fouiller. Gentiment, désolé. Hein. Je suis en mode. Je suis en train de reprendre. What the fuck? D'accord, ok. C'était lié avec la maman en fait. Vu qu'on a tué la maman, on est tranquille, on peut passer. Ça c'est cool. C'est con parce qu'on peut passer mais il n'y a rien. Combustible. Encore du combustible, ça c'est cool. Ouh. Putain, j'ai du mal à m'en remettre. Hein. C'est déverrouillé. Allez, on ouvre. Ok, on revient là. Ok, on n'a pas trouvé... Ouvrez la porte à l'étage, trouvez les ingrédients du sérum, trouvez le bras dans la vieille maison. Première. Je crois qu'on n'a pas trouvé le bras. Ouvrez la porte à l'étage. Alors je sais plus où on en est. Je sais plus où on en est de la maison, ça doit être l'autre là-bas. Oh là, je sens qu'on va tourner. Je sens qu'on va tourner. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de sauvegarde pour être sûr. Ne perds pas de trop. Hop, on va dégager un peu tout l'inventaire. Donc on va garder la lanterne bien sûr. On va essayer de refaire du soin. Donc, je sais qu'on a de l'herbe. D'accord, on a 5 herbes. On a repris 3, 5 et 3, d'accord, 7, ok. Prendre du fluide. On va combiner des gros soins. Ça là-dedans. Ça là-dedans. Voilà. On va se débarrasser des autres en fait. Ouais, on va se débarrasser des petits. Parce que là on devient quand même avec des trucs bien bien forts. Hop, on combine. Voilà. Oh, on peut combiner des trucs, ok. Fluide, des grenades neurotoxiques et des psychostimulants. D'accord, ok, c'est à ça que ça servait en fait les suppléments. Ok, putain, fallait savoir. J'aurais pas deviné. Ok, donc là on est au strict minimum nécessaire. Donc là pour l'instant on est en mode OSF. On met un petit coup de sauvegarde. On était à 2h35, on est à 3h. C'est bien. Ça fait une demi-heure que la maman court après nous. C'est pas mal. Donc il faut retrouver le bras. Retrouver le bras dans la maison. Donc, on a dû oublier un truc dans la baraque, la première. Donc, maintenant qu'on a tué la maman, il doit y avoir des trucs qui sont morts là-bas. On pourra peut-être monter...
monter bien sûr à l'étage, parce qu'il n'y aura plus la maman pour nous en empêcher. On pourra peut-être fouiller et trouver le bras. On va repasser dans l'autre. Dans l'autre côté. Donc le père, serrier de la liste, la mère, serrier de la liste, il reste le frangin et la grand-mère. Mais bon, la grand-mère, je crois qu'elle est en... Elle est en safe. Je crois que la grand-mère, elle nous fera rien parce que... La grand-mère, on n'a jamais pu l'attaquer, on n'a jamais pu la tuer. Donc du coup... Ok. J'avais entendu de la musique, une sorte de piano. C'est bien ce que je pensais. Ok. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert, ça on l'avait fouillé. Qu'on cherche un bras, on est à la recherche du bras. C'était peut-être à la première maison. Ah ouais, la lanterne. La lanterne qu'il fallait poser là. Ok. Wow. Ouais, voilà. J'allais dire, il n'y a pas moyen d'avoir un peu de lumière. What the fuck, là c'est glauque. Ok, il y a des dessins. C'est quoi qui va se passer ici? Ça sent l'attaque surprise. Ok, on passe par la droite. Les babouches à papa. My family. Evelyn. Ok. C'était Evelyn. C'était rien de méchant en fait. Je veux vous rassurer, comme moi ça me rassure de penser que c'est ça. Mais c'était Evelyn. Vous vous rappelez, Evelyn, elle était. Elle était en sorte de fantôme qui se téléportait un peu partout. Ok, il y a des bébés partout. Ok, j'ai refermé. Ok, il y a une autre porte. Ok. Un peu bizarre le truc. Pivoter, nounours. What the fuck? Ok, le nounours il nous a fait un truc, un backtrip. Hein, c'est chelou. Ok, on est bien là pour le moment. Y'a rien de spécial. Putain, je vois rien, je trouve rien, j'ai l'impression d'oublier des trucs. C'est un truc de malade. Là, j'y vais au ralenti. C'est la pièce la plus glauque qu'on peut voir. Ok, alors là, ça pue. Vous vous rappelez de ces petits machins de merde là qui étaient. Qui étaient là. Oh là 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 là. On va y aller tout ce qu'il y a de plus calme. On va regarder un peu la caisse à outils quand même. Quelque chose ne va pas chez elle. Ok, c'est tout ce qu'il y a de marqué. Putain, on récupère rien. Il n'y a plus rien qu'on récupère quoi. Les poubelles sont scotchées. Y a rien de spécial. Putain, on récupère que dalle. C'est vraiment de la promenade. Là, ils se sont dit on va pas leur mettre trop l'angoisse. On va faire jouer tranquille. Et puis d'un coup, ça va faire boum. Non. Et la lumière. Ne t'approche pas. Alors tu sais, moi, les interdits, hein. Quand j'étais petit, tu pourrais demander à ma mère.
voilà quoi. Tu m'as dit de pas approcher, mais tu vois, je suis un peu têtu et puis je vais approcher quoi. Tiens, tu veux pas jouer au ballon avec moi? Viens jouer au ballon avec moi. Il y a un truc derrière moi. Pourquoi je sens qu'il y a un truc derrière moi? J'entends marcher. Oh là là. Eh, c'est Glock. Ok, il y a rien. On se met la pression tout seul dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Rien qu'avec les bruits, on se met la pression. Ok, c'est marqué quoi là? C'est on dirait une cheminée, hein? Ouais, je sais pas trop en fait. Ok, y a rien de spécial. Ok, il y avait bien un truc là. Wouah! What the fuck? Ok, je crois qu'on l'a trouvé le bras. Bras de série D. Allez, courage, mon pote. Oh mon dieu. Ah! Que c'est ça. Ah, oh, ça sentait l'arnaque. Il y a la petite fille. Faut pas que je la perde de vue, comme ça, je sais où elle est, elle me fera pas peur. What? Il y avait pas tout ça? Ok, ok. Ok, on va pas chercher. Ah! Oh! Oh putain! J'ai un putain de sale réflexe. On a le bradé. On se casse de là. Ok, c'est cool, il tombe à la première balle, ça c'est bien, il faut que je recharge. Ok, c'est devenu une sonorité super glauque. Ça va votre cœur? Pas trop eu peur? Moi je suis mort. Là j'avoue je suis mort. Ah, voilà. Voilà. Voilà ce téléphone. Putain. Tu l'as trouvé? Ouais. Je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. D'accord. Ok, bah il n'y a plus qu'à retourner à la caravane, ça tombe bien parce que de toute façon on va aller sauvegarder. Mais si c'était si simple, hein, comme dirait l'autre, il n'y aurait pas de jeu. Je sais pas pourquoi je m'attends à une grosse arnaque. Donc on est parti en direction de la caravane, on court un peu dans la caverne histoire de moins se faire peur. Je vous parle histoire de décompresser aussi de mon petit cœur qui en peut plus. Qui a subi trop de pression dans les deux derniers épisodes. Ok, la caravane est par là, donc on a tout fouillé. Hein, là, il n'y a rien d'autre, rien de nouveau. On devient parano à force de jouer à ce jeu-là. Un truc de ouf, on croirait qu'il y a tout le monde partout quoi. La maison des secrets. Ok, on est dans la caravane. Est-ce qu'elle va être là? Ok, le téléphone y sonne, c'est parti. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Oh putain! J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break.
Elle et Mia sont avec moi. Elles se tiennent mutuellement compagnie. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non. C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé. Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Ouais, ça c'est bien dit, allez, va te faire foutre. On va regarder dans ce putain de frigo. Je m'attends à une couille, je sais pas pourquoi. Oh, c'est quoi? Oh, ok. Le flic t'attend dans la salle de dissection, tocard. Ok. Il faut que je retourne dans la salle de dissection. Alors ça, c'est un truc de malade. C'est un gros truc de malade. Donc les amis, c'est pas que je m'ennuie. On fera l'épisode le week-end prochain. On continuera le week-end prochain. Donc bien sûr, bah, je vous avais fait un petit épisode supplémentaire. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc les amis, un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous la trouvez cool. Je vous dis pour ma part, bah, à une prochaine avec Schizofaf. Allez, ciao, bonsoir.